bien, moi c'est Clémence et sur cette chaîne YouTube, je vous propose des vidéos autour du crochet, du tricot et de la couture. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je profite de quelques jours de vacances. Ça fait quelques jours que nous avons de la grisaille et pour une fois, il y a du beau temps, d'où la luminosité derrière. J'espère que cela ne va pas trop vous gêner. Voilà, le moment le plus compliqué de la vidéo, l'intro est passée. Ça, c'est bien. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo suite à ma virée parisienne où nous sommes allés avec des amis au magasin Lil Weasel et à l'Aiguille en fait, le salon qui se tient chaque année donc à Paris. Ça va être mon petit butin que je vais vous montrer et puis vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et je vais essayer de ne pas trop bouger pour ne pas vous causer trop de soucis de lumière. Alors, donc en fait, avec des amis, nous avons décidé, coucou les copines, je sais que vous allez passer par là, nous avons décidé d'aller à Paris. Donc à la base, on avait décidé de faire aller-retour à l'Aiguille en fait, et puis finalement on dit, allez, on y va un peu avant, ça sera quand même plus simple, parce que nous avons minimum 3 heures de train. Fait, déjà, on avait 3 quarts d'heure pour aller à la gare, plus 3 heures, minimum 3 heures et quart peut-être, bon. Autour 3 heures de train et puis après de la gare de Paris il fallait bien se rendre à l'Aiguille en fait et je crois qu'il y avait pas loin de 40 minutes donc autant en profiter et y passer 2 jours donc c'est ce que nous avons fait et le premier jour donc on a décidé d'aller à l'île Weasel parce qu'on arrive en milieu d'après-midi donc c'était plus cool le train voilà, moi c'est les situations que j'adore où on a un petit peu embêté notre voisin de... parce que comme nous étions que 3 copines, on avait dans le Ouigo des places à 6, enfin 6 personnes. Et le monsieur qui se tenait à côté de moi, je pense qu'il a dû nous prendre complètement pour des tarés. Mais c'est pas bien grave, en tout cas on l'a bien fait rire. Le monsieur qui était tranquillement en train de dormir sur son siège et puis d'un coup qui se met à rire parce qu'il entend nos vannes. Moi je trouve ça très sympathique et ça m'avait mis vraiment de bonne humeur parce qu'on sait pas sur qui on tombe, des fois il y en a qui peuvent être très... Parce qu'enfin, ils ont envie d'être dans leur bulle, ce qui est tout à fait normal, hein, ils ont le droit. Mais lui là il était un peu dans l'ambiance avec nous, donc c'était très très sympathique. Donc on est arrivé à Paris gonflé à bloc. On n'avait pas besoin de ça mais voilà, c'était très très sympathique. Toujours est-il, quand donc nous sommes allés chez Lil Weasel, bon, après je vais pas vous raconter tous les détails de notre petite virée, on se garde des petits trucs secrets entre nous, et de là on a rejoint Lucie, cette fois-ci je n'ai pas oublié ton prénom, par contre j'ai du mal avec ton pseudo. Et voilà, qui a vu, en fait j'avais posté une story je pense, en disant que j'y allais, et puis elle a eu envie de venir nous rejoindre, et ça m'a fait très plaisir, parce que pendant ces 2 jours, donc j'ai rencontré 2 personnes, avec qui je discute très régulièrement sur Instagram, et qui avaient envie aussi d'aller à l'Aiguille en fait, et qu'on se rencontre, voilà, en vrai, et donc ça voilà, ça fait partie des rencontres que, voilà, des joies, de YouTube et d'Instagram, de pouvoir papoter et de se retrouver un jour en vrai. Donc c'était un moment très très sympathique et je suis très contente donc que Lucie le jeudi soit venue avec nous et que Paula nous ait rejoint le lendemain à l'Aiguille en fait. Ça c'est fait pour les petites dédicaces, merci les filles. Alors, l'Aiguille en fait, non? Parce que d'abord on était à Lil Weasel, donc comme je disais. Lil Weasel. Si vous ne connaissez pas, c'est une boutique, enfin une double boutique en fait, sur, qui est située au passage des Grands Cerfs, ou du Grand Cerf peut-être. Un très très joli coin, un grand passage vraiment très beau et je trouve qu'il dénote avec, avec les rues en fait de Paris. On se balade, il y a des magasins partout, c'est un peu... J'allais dire, c'est un peu vieux et très... comment je veux dire? Il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses. Bon, c'est pas trop le style de vie que j'aime. Et puis en plein milieu, on a un passage avec certes des boutiques, mais qui semble beaucoup plus
artisanal, ou en tout cas, c'est moins de chaînes, c'est quand même plus convivial. Et très joli. Donc c'est une petite bulle, un petit passage, une petite bulle dans ces rues de Paris. Je trouve ça très agréable. Ça faisait, je crois que ça doit être la 3e ou 4e fois que j'y vais, peut-être 3e. Ouais, 3e, je pense. Bon, à chaque fois que je vais à Paris, je profite parce que je trouve ce coin très joli et la boutique très très jolie aussi. Elle est donc en deux parties, face à face. Il y a une partie plus pelote et accessoires et l'autre qui est plutôt écheveau et couture. Et bon, on a fait les deux, hein, parce qu'on, enfin, on est sur place, autant profiter quand même. Et moi j'avais envisagé donc de faire le plein de pelotes parce que je sais qu'elle vendait ma marque préférée, donc la Katona de chez Crépius. Et voilà, en fait, cette fois-ci, j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie d'aller ni à Lille-Louiselle, ni à l'Aiguille en fait, avec une liste de projets toute faite. J'avais pas envie vraiment de tout lister, voilà, j'avais envie d'aller vraiment au feeling. Il n'y a que certaines choses parce que je voulais faire le plein de Katona. D'habitude, je commande sur internet, là j'étais sur place, tant qu'à faire, autant recharger les stocks. Sur place. Et puis j'avais vu un petit peu aussi ce qui se passait, enfin ce qui se passait, les stands à l'aiguille en fait. Donc si je voulais du coton, j'avais bien compris qu'il fallait que j'aille chez Louiselle et peut-être pas trop à l'aiguille en fait, mais ça je vous en parle après. Alors déjà j'avais envie de refaire mon plein, pas mon plein, pas non plus. Voilà, parce que j'ai des couleurs que j'aime beaucoup, que je vois, j'utilise beaucoup en Katona, donc j'ai racheté. Par contre, avec la lumière, c'est sûr qu'on n'est pas gâté. Donc là, c'est un rouge bordeaux rosé. Le marron, ça, marron, ça sert toujours. Et l'orange Halloween. Si vous me connaissez, vous savez que les couleurs d'Halloween, en général, je les dévore, puisque j'adore faire ça. Toutes les bestioles d'Halloween. Et alors ça, c'était les couleurs donc, que je m'étais notées. Et évidemment, je m'étais dit oui, les couleurs classiques, je penserais les prendre. J'ai oublié de reprendre du blanc et du noir. C'est pas grave, tout va bien. Donc voilà, ça c'est pas grand-chose. Alors j'en ai pris plusieurs en plus, non mais celui-là. J'en ai pris plusieurs, je sais que je les dévore, donc j'en ai pris plusieurs. Sans projet spécifique, c'est vraiment parce que dans mon stock, ça commence à être un peu pénurie. Et j'avais commencé à acheter des variants de verre. Alors là, ouais, c'est encore un peu plus flash en vrai. Hein. C'est vraiment du vert pomme, hein, vraiment. Et là, un vert sapin foncé. Parce que mon idée de base était de trouver des pelotes pour faire. Pour faire ça. Donc celui-là, ce patron, je vous en avais parlé dans une des premières vidéos de l'année, où je vous montrais les envies que je voulais, les envies pas tricot, crochet, pour l'année 2022. Et voilà, j'avais envie de respecter un peu les couleurs. Et j'étais partie à prendre, enfin respecter les couleurs, les tons de vert. Et j'ai commencé en fait dans le magasin à prendre ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de teintes. C'est-à-dire que là, dans le patron, il en fallait 5 ou 6. Et rapidement, je me suis aperçue que j'en aurais pas 5 ou 6 verres différents. Donc j'ai un petit peu hésité. Et après, en fait, en tournant le tourniquet, enfin je sais pas, enfin, c'était dans le même style, mais juste en tournant un tout petit peu, je suis tombée sur la Stonewashed de la même marque. Stonewashed que si vous me suivez, vous savez que j'aime bien aussi. J'en ai fait notamment un hippopotame et d'autres choses, un pingouin et je ne sais plus quoi. Bref, je l'aime bien. Et j'ai trouvé donc différents tons de vert. Je sais pas si m'en manque pas un d'ailleurs. Bref. Donc la Stonewashed qui est un petit peu plus épaisse que la Katona. Qui se crochette en 3-3,5 alors que la Katona. Alors la Katona c'est 2,5-3,5. Moi je la fais en 2,20. Et la Stonewashed 3-3,5. À mon avis je suis dans les 2,75 pour la taille de crochet. Et la grosse différence, c'est que la Katona, c'est du coton, 100%, et celle-là, c'est 78% coton et 22% acrylique.
Donc elle est un tout petit peu plus épaisse et puis elle a comme des... C'est comme marbré. C'est pas trop trop mal. J'espère vraiment que ça va pas trop vous gêner la lumière. On fait ce qu'on peut. Donc j'ai pris comme ça, donc ça va un vert pomme, un vert un petit peu plus foncé. Encore un petit peu plus foncé. Donc là, vous l'avez un peu bleu hein, sur la... J'ai l'impression. Enfin, sur mon retour, ça fait un peu bleu, mais non, c'est vraiment vert. Du vert délavé. Je sais pas comment dire. C'est dur hein, de donner des tons de couleur. C'est dur. Et après, je pense que j'en ai pris un autre. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'avais tout rangé tout à l'heure. Je me suis enfin décidée à faire la vidéo. Je ne sais plus quelle couleur j'ai pris. C'est pas grave. Ah oui, ça y est. Il a. Et un vert par contre très clair. Très clair. Donc voilà, ça va me servir donc pour le personnage que je viens de vous montrer. J'oublie toujours le... Sally, ça y est. Je perds toujours le prénom du personnage. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. Ça va bien, bien flasher. Le patron là il est c'est plutôt fin, enfin le coton utilisé c'est plutôt très fin, bon, du coup elle va être bien grande je pense. Et j'ai un gris, j'ai hésité pour la peau, parce que alors, pour trouver la couleur de peau blanc ça va pas, enfin ça va pas, ça me convenait pas. Et en stone wash en plus il n'y a pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas énormément de couleurs, il y en a quand même, hein, faut pas déconner, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de ton qui me convenait pour la peau. Et je me suis souvenu que j'avais un gris dans les mêmes styles. Donc je pense que ce gris marbré blanc, ça va faire un joli côté cadavérique. Ça peut bien le faire, je pense. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un personnage de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est vrai que là, elle est plutôt sympathique. Bon, elle est sympathique aussi dans le manga, dans l'animation, mais elle a un côté un peu plus cadavérique. Donc je pense que ça irait bien. Dans la Sunwatch, il y avait d'autres couleurs que j'ai repérées. Donc un bleu et un parme violet. Là, ce sont juste des teintes que je voulais tester, mais je n'ai pas de projet affilié à ça. Et une autre gamme que je voulais tester, donc c'est la Stonewashed XL. C'est encore plus épais. J'en ai pris que deux, parce que j'ai pris des couleurs qui me plaisaient, parce que je n'ai pas de patron prévu avec. J'ai pris du orange, comme c'est bizarre, et du jaune. Je me suis dit, tiens, le jaune, ça va changer un petit peu, parce que j'en ai pas énormément. Et là, par contre, donc il y a un tout petit peu plus acrylique, pardon, 70% coton, 30% acrylique. Et c'est conseillé de le crocheter en 5. Donc 5, et la Sunwash normale, 3,5, je crois. Ouais, c'est ça, 3,5. Donc j'ai bien envie de tester. Ce sont toutes des pelotes de 50 grammes, et là, il y en a 75 mètres, et là, il y en a 130 mètres, oui, ça... divisé par deux, quoi. Quasi. Donc, mon petit stock. Autant dire que j'avais le sac déjà bien plein. Mais, il y en a encore. Toujours à l'île Louise. Toujours, toujours. Alors, je ne sais pas encore comment je vais faire ma vidéo. Peut-être j'ai pris quelques photos. J'ai pas eu envie de filmer. Parce que voilà, j'avais envie de profiter du moment présent en fait. Et donc j'ai pris quelques photos quand même. J'essaierai, soit je vous mettrai avant ou soit après. Après là, je vais voir. J'ai pris deux petites pelotes de Maxi Sweet Treat. Toujours la même gamme, pas la même marque, pardon. Donc un rose fuchsia, bien peps. Et un bleu ciel, ça ressort là franchement, pour moi vous avez les bonnes couleurs. Par contre, contrairement aux autres, là c'est beaucoup plus fin. Donc ce sont des pelotes de 25 grammes pour 140 mètres qui se crochettent en 1,25-1,5.
voilà, j'ai pas d'idée, mais je commence à avoir un petit stock et je pense que ça peut être pas mal pour tester des miniatures. Faire des petites peluches miniatures, ça peut être sympa. Ou peut-être même des marque-pages. Ou à la base, j'avais acheté cette gamme. C'était surtout pour faire des napperons, pour faire des marque-pages, pour voilà. Mais on peut très bien un patron de peluche. En fait, vous pouvez le faire à la taille que vous voulez, tant que vous faites correspondre le fil avec votre crochet, à sa différence qu'il soit plus ou moins gros, plus ou moins plus grand que le patron de base, selon ce que vous utilisez. Je sens que la vidéo va être un petit peu longue. Ça tient un quart d'heure, j'ai pas montré grand-chose. C'est pas grave. Et allez, dernière pelote que j'ai prise. Voilà, c'était plutôt le plus gros craquage, on va dire, niveau finance. Parce que entre celle-là et les autres, c'est pas du tout le même prix. Mais bon, hein. Moi, j'ai pas pu résister à ces très jolies couleurs, à ces jolies pelotes multicolores avec des paillettes. Désolée, moi je sais pas faire. C'est la langue 1000 coloris Baby Luxe. Je veux dire sexe, je sais pas pourquoi, n'importe quoi. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 190 mètres et qui sont normalement crochetées ou tricotées 3 à 3,5. Et bien, j'ai envie, vu la quantité, à la base, je voulais me faire des peluches. Voilà. Je trouvais ça très sympathique. Je ne sais pas si vraiment je le ferai. On verra. De toute façon, là, j'ai moins de 400 mètres. Donc je ferai pas grand chose, je pense. Parce qu'à chaque fois je me dis oui, on peut rentrer. Je peux faire. Quand j'achète des pelotes des fois comme ça, oui, je peux faire un bonnet, je peux faire ci, je peux faire là. Mais en fait, il y a la moitié des choses. Je les porte pas. Je porte pas beaucoup de bonnets, donc. Mais ça pourrait être sympa quand même, un bonnet comme ça. Bon, en tout cas, à la base, c'est pour faire une peluche. On verra la suite. Et dernière chose que j'ai acheté chez Lee Louisel, ce sont des connecteurs de câbles pour les aiguilles interchangeables. J'ai pas beaucoup d'aiguilles à tricoter avec interchangeables parce que je sais qu'il faut visser avec la petite clé qui est fournie avec. Sauf que moi je sais pas si je me prends mal, si je ne sais pas, mais très souvent ça s'est dévissé pendant que je tricote. Et c'est un petit peu agaçant. Donc j'en ai pas énormément, mais j'ai quand même deux câbles. Et je me dis que comme je tricote alors moins qu'avant, mais surtout quand je fais les châles de Stéphane Ouest, quand il y a 900 mailles, je vous avoue qu'avoir deux câbles et pouvoir étendre un petit peu, ou alors mettre sur deux câbles et pouvoir essayer un pull, je trouve ça très très sympathique. Voilà. Donc ça m'a pas coûté en plus bien cher. Donc en fait, ce sont des connecteurs, vous les mettez entre les deux câbles. Et en fait, à l'intérieur, là, on peut visser. J'ai fait des tests. Ça fonctionne, c'est génial. Voilà. Et pour les Louiselle, ben c'est pas mal. J'ai résisté à l'appel des écheveaux. Il y en avait de très 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 beaux. Mais j'étais pas dans l'optique, là, je suis partie à Paris, j'étais pas dans l'optique de prendre des écheveaux. Parce que je trouve que j'en ai assez à la maison. Et puis, je vois que je suis toujours dans la période, on va dire, amigurumi. J'ai l'impression que ça ne me lâche pas beaucoup. Je tricote de moins en moins. Voilà. Bon, après, je peux toujours, oui, crocheter les écheveaux. Voilà. J'hésitais pas dans cette optique-là pour cette virée parisienne. Je trouvais que j'avais de quoi faire. J'ai largement deux pelotes pour faire des pulls, que ce soit au crochet ou au tricot. Donc voilà. Et acheter un écheveau par-ci, un écheveau par-là. Je l'ai eu fait, il m'en reste encore, que je calerai un jour dans un châle. Mais je voulais pas m'en rajouter de trop. Je préférais, avec le budget que je m'étais alloué pour cette virée, je préférais acheter plein de petites choses que de tout mettre concrètement dans quatre écheveaux qui allaient me coûter 100 balles. Voilà, là, le budget il était cuit, on va dire. Donc voilà, je préférais faire ça. Et puis, comme je ne savais pas encore ce que j'allais trouver sur l'aiguille, en fait,
Je préférais être raisonnable. Il y avait aussi des patrons qui étaient en promotion. Là. Qui étaient en promotion, mais rien qui m'a tenté. Mais en tout cas, c'était vachement sympa. C'était très agréable. C'était très agréable ce magasin. Et j'y retournerai bien volontiers. On est toujours très bien accueillis. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, en même temps, ce ne sont pas des grands magasins. Hein. C'est pas un hangar. Hein. C'est une petite boutique, genre mercerie. Donc, il y avait deux trois personnes. On avait bien belles choses. Ça m'a fait plaisir. Ensuite, je vais parler de l'aiguille en fait. Parce qu'après le reste. Après le Louisol, on s'est un petit peu baladé, on est allé trouver notre hôtel, tout allait bien. Voilà. Le lendemain, un hôtel franchement, juste à côté du salon, comme ça le lendemain matin, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc, c'était voilà, une soirée tranquille, le matin aussi. Ouais, alors par contre, bon, peut-être que vous avez l'habitude, les Parisiens et Parisiennes, mais moi, le tramway qui passe peut-être toutes les heures, toute la nuit, j'ai un peu moins l'habitude. Déjà, j'ai pas de tramway chez moi, donc déjà, ni de métro, donc déjà, c'est sûr que. Ensuite, bon, ça, c'est une habitude à prendre, c'est pas ça qui gêne beaucoup. Donc on est allé le lendemain à l'aiguille en fait. On a passé quasiment, non peut-être pas toute la journée, mais on a fait l'ouverture jusqu'à peut-être 15h, quelque chose comme ça. Donc c'était fort sympathique. Et quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a pu bien se déplacer à travers les stands. Ça c'est bien agréable parce qu'arriver peut-être 11h, c'était moins facile. Hein. Bon après c'est pour moi c'est le jeu des salons mais c'est toujours pas enfin bon les gens qui nous rentrent dedans qui disent pas ni merci ni rien ni quoi que ce soit enfin ni excusez-moi ni merci ni rien en sachant surtout à la limite moi je m'en fous je prends c'est partie du jeu donc je l'accepte je m'énerve pas tout va bien par contre quand on voit qu'il y a des gens par contre avec une canne ou avec une béquille, quelque chose comme ça, et puis que la personne se fait bousculer à droite à gauche. Voilà, je suis plus embêtée pour ces personnes-là que pour moi, parce que moi je savais où je me rendais, et puis j'en avais conscience, et je savais très bien que j'allais forcément me faire rentrer dedans tôt ou tard. Et encore, je trouvais que c'était. J'ai connu pire, donc honnêtement, cette partie-là, je l'ai bien vécue. Et je vais essayer de tourner un peu parce que le soleil tourne. À mon avis, il est pas loin de 15h. Hop, j'essaye, je vous donne pas le mal de mer. Comme ça, vous voyez, moi je voyais bordel, c'est mon coin à moi. C'est peut-être bordelique, mais c'est mon coin. Voilà. Du coup, on ne me voyait plus, mais ça, c'est pas très grave. C'est pas l'essentiel de la vidéo. Donc voilà, on a pu donc profiter du stand. Il y en avait quand même pas mal. Je voyais ça un petit peu plus grand. Je suis allée à l'aiguille en fait il y a maintenant 3 ans. C'était en 2019, oui, c'est ça. 2018, 2019. 2019. Je sais pas, je m'imaginais ça plus grand. Dans mon souvenir en tout cas, c'était plus grand. Bon, évidemment, il y a eu l'effet Covid. Il y a peut-être eu moins de monde. Bon, en tout cas, j'ai trouvé largement de quoi m'occuper. J'ai découvert de très belles choses, notamment un stand de broderie japonaise. Donc j'oublie le nom. C'est difficile de se souvenir de tous les stands. Hein. En tout cas, ça a été une belle découverte. Je connaissais pas du tout. Ça a été très 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 sympa. Pour ça qui, d'ailleurs, oui, j'ai pas expliqué ce que c'était l'aiguille en fait. Bon, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent quand même, mais bon, on sait jamais. Si vous ne connaissez pas, donc c'est un salon qui se déroule en général au mois de mars sur Paris. Et normalement, c'est tout ce qui concerne donc les travaux d'aiguille, couture, tricot. Bon, normalement, il y a crochet, on englobe avec le tricot, même si c'est pas une aiguille. Voilà, mais bon, quand même.
Il y a du point de croix. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon, passoire. Et après, il y avait d'autres stands qui, bon, qui n'étaient pas pour moi autour de l'aiguille, mais qui étaient là parce que c'est quand même de... Comment dire? Du... des travaux manuels. Voilà. Donc il y avait un atelier pour faire les bougies, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, il y avait un stand de pâtisserie, enfin des moules à pâtisserie. Bon là, en fait, j'ai voulu m'arrêter à ce stand-là, mais c'était vraiment hors budget pour moi. Je trouvais que là, c'était un petit peu abusé. Bon, ça, c'est mon avis à moi. En plus, j'étais venue pour l'aiguille, en fait, pour les travaux d'aiguille, et non pas pour m'acheter des moules, même si j'ai trouvé un super moule qui était en forme de tête de mort et de citrouille. Non, pas de citrouille, je ne sais plus. D'épouvantail, peut-être. Bon, je sais plus, mais je ne me suis pas laissée tenter. Bref, tout ça pour dire. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ça, ce sera plus simple. On va faire. Ce sera pas du tout dans l'ordre des stands qu'on a fait, mais ça, c'est pas très grave. Alors, on a débarqué. Oups, pardon pour le bruit. Sur le stand Atelier des ABCDR. Je vais enlever la pochette. Ça va pas le faire. Où j'ai acheté deux petits carrés tout doux en velours. Hop là. Tout mignon. C'est un stand où il y a quelques années, j'avais acheté le patron. En général, ce sont des kits hein, qu'elle vend. J'avais acheté le kit pour faire ce très... moi je l'adore, hein, cette jolie trousse toute mignonne. Alors ce patron, enfin ce kit, n'est plus proposé par l'atelier des ABCDR et donc tout le stock qui leur reste est vendu à 50% sur leur site internet. Donc si vous voulez en profiter, allez-y. Bon moi du coup je me suis pas laissée tenter parce que j'en avais déjà une mais c'était quand même bien tentant. Et donc, elle proposait d'autres kits. Il y avait des plus gros sacs, il y avait des trousses, et il y avait aussi notamment des kits pour faire des lingettes démaquillantes. Et pour moi, alors en plus, c'était vers la fin oui, la fin de notre tour, donc j'avais déjà bien dépensé mon budget, on va dire ça. Et le kit des lingettes démaquillantes, pour moi, il était hors budget. Je trouvais que. Enfin, j'avais pas envie de mettre ce prix-là. Après. Parce que c'était les 7 lingettes, donc ça faisait en fait 7 coupons, comme ça, plus le patron, plus je ne sais plus quoi. On n'était pas loin de la quarantaine d'euros. Moi, je me suis dit que j'étais pas sûre. En fait, je trouvais ça très sympathique, mais je savais pas si à l'utiliser parce qu'en fait, c'est tellement joli et tellement doux. Je sais pas si j'aurais le cœur à faire des lingettes vraiment démaquillantes et les utiliser. Donc moi j'en ai acheté deux, voilà, et elle vendait des petits coupons comme ça, je vais y arriver, parce que c'est un peu décousu, hein. Et elle vendait juste des petits coupons comme ça, je crois que c'était 3 euros le carré, 3 euros. Et je me suis dit, soit ben, je vais faire vraiment des lingettes, mais plus décoratives qu'autre chose dans la salle de bain, soit j'ai peut-être envie de faire des petits coussins par contre, voilà, de décoration. Je sais pas encore. Voilà, je me dis peut-être que pour décorer la salle de bain, ça peut être pas mal. C'est un peu dans les couleurs. Comme je savais pas trop quoi prendre, j'ai pris les couleurs de la maison. Voilà. Ça, on va verra bien. Ensuite, je verrai après. J'ai acheté un autre kit sur un autre stand. Alors, est-ce qu'il y a son nom? Parce que. Oui. C'est Noémie Fabrics. Fabrics, oui, c'est ça. Franchement, le site, le stand, pardon, était très joli. On a été très bien accueillis. J'ai beaucoup aimé la douceur. En fait, je suppose que la dame qui vend s'appelle Noémie. Et il y avait une autre personne qui l'aidait. Et je trouve qu'elles ont été vraiment très agréables, très gentilles. Il y avait des kits, enfin il y avait tout
présentoir avec les kits. Et elle m'a gentiment proposé d'ouvrir le kit pour voir exactement ce que c'était. Pourtant, il y avait sur le mur à peu près tous les styles de comment dire, tout ce qu'elle vendait. Donc il y avait des besaces, des grandes trousses, il y avait des chaussons, je crois, il y avait plein de choses. Tout était derrière affiché, enfin déjà monté, etc. Mais là, elle nous proposait quand même d'ouvrir les kits, de regarder ce qu'il y avait. Elle nous dit, bon, vous n'avez plus qu'à faire ci comme ça. Donc j'ai trouvé ça très, très gentil parce qu'il fallait prendre le temps vu le monde qu'il y avait. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on n'était pas super nombreuses, je ne sais plus trop. Mais je trouvais ça très, très cool. Et j'ai pris donc le kit pour faire un sac besace. Je n'ai pas pris ce coloris, je vais vous montrer. Et j'ai trouvé que c'était très original ce sac besace. On ne le voyait pas partout parce qu'il y avait quand même pas mal de stands pour proposer des kits de sacs en tout genre. Alors pas forcément des sacs à ouvrage, hein. C'est plutôt des sacs en cuir, des sacs, des trousses, des choses comme ça. Dans mon souvenir. Et moi j'ai pris ce coloris là. Donc ça sera le devant. Et ça sera la doublure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà découpé. En fait j'ai voulu le faire. Ça sera un côté. Et là, bon, là c'est envers contre envers, donc vous n'allez pas voir grand chose. J'ai voulu commencer à coudre. Sauf que j'ai eu un petit souci que je n'ai pas pris le temps de résoudre. C'est que quand je. Quand je couds, en fait, avec la machine, ça me fait comme des grosses bosses, des grosses boucles à l'arrière. J'ai changé d'aiguille, j'ai changé de tension, j'ai changé le fil. Je n'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment. J'espère que ce n'est pas une question d'épaisseur. Parce qu'en fait, la partie là, c'est quand même du velours. Enfin, cette partie-là, c'est du velours. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop épais. J'ai une machine à coudre Lidl, je sais que les épaisseurs ne passent pas. Pour moi, je pensais que là, ça allait passer, mais plus la doubleur, j'ai un goût de doute. Donc il faut que je résolve ce truc, mais on verra bien. Bon, moi, j'ai pris ce sac besace, je trouvais que c'était sympa. Alors, j'ai oublié de vous montrer, il y a la petite anse aussi avec. Donc ça va être très très sympathique. Je dis ça pourrait être original pour... surtout pour l'été, je me dis on a toujours besoin d'un sac bandoulière avec 3 bricoles dedans selon ce qu'on fait, donc c'est plutôt pas mal. Et je trouvais ça bien. Et puis elle vendait aussi carrément des frises pas très larges je crois, mais quand même assez longues. Et en fait on pouvait faire ce qu'on voulait, on achetait la frise et puis après vous faites ce que vous voulez, on pouvait couper comme on le souhaitait. Si on voulait faire des trousses, si elle avait eu dans le format là, elle nous l'a montré parce qu'elle en a fait. Mais elle n'avait pas les kits et en fait, je trouvais ça plus simple. J'avais envie de prendre un kit. Voilà. J'avais pas envie d'aller sur internet, piquer le tuto, machin, le couper, le kit. Et voilà, c'est fait. J'avais pas de me prendre un kit. Donc ça, c'était une très belle découverte. Je suis très contente. Je pense que je vais... D'ailleurs, je l'ai suivi, je me suis inscrite après. Je me suis abonnée à son compte Instagram. Et je vais suivre parce que je trouve qu'elle elle mérite de, entre guillemets, un peu de pub, oui. Parce que je trouvais que c'était très joli ce qu'elle faisait, c'était très original et qu'on a été très bien accueillis. Ensuite, on approche. J'ai trouvé un autre stand qui m'a énormément plu, je suis allée peut-être 3 fois avant de me décider, qui est le... J'ai noté le nom, le stand Nacratitude. Donc j'ai trouvé cette très jolie broche en forme de chat. Il y en avait de très jolies, je ne savais vraiment pas quoi choisir. C'était catastrophique. Ce chat, je trouvais ça plutôt pas mal. Et les boucles d'oreilles, moi j'aime bien les boucles d'oreilles, j'en mets pas assez souvent, je trouve. Mais j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Mais j'ai pris finalement celle-ci. J'ai trouvé que ça allait plutôt bien avec toutes mes robes, surtout pour le printemps, et que le rouge en général je le porte assez régulièrement, donc ça irait avec tout, mais ça va être très sympa. Mais il y en a qui me faisaient de l'œil, c'était celle en forme de hibou. Mais je me suis dit,
Je ne savais pas trop avec quoi les mettre. Là, je me suis dit que ça allait vraiment avec tout. Que je veuille aller au boulot, que je me mette même en robe noire. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais je me suis dit au moins ça donnerait du peps. Voilà, toutes les robes, je pense que je pourrais l'associer. Le hibou, je pense que j'aurais dû me coudre une robe, peut-être pas hibou non plus, mais un peu plus festive. Un peu plus. Donc là, je suis très très contente. Poisson. Un très joli travail, elle avait beaucoup de choses, donc il y avait des bracelets, des pendentifs, il y avait des marque-pages. Je sais plus ce qu'il y avait, le stand a été. Alors, je vais dire immense, non, mais il y avait beaucoup de choses dans le stand, elle avait beaucoup de choix. Très agréable aussi, c'était fort sympathique. Il y avait des bagues, un peu de bijoux. Et alors, vous voyez, enfin pour moi, c'est le stand où je suis contente d'avoir découvert, mais quelque part, c'était incongru. Parce que l'aiguille, en fait, je ne voyais pas le rapport avec les travaux d'aiguille. Alors, c'est peut-être moi qui suis un peu. Enfin, moi, je me suis dit, l'aiguille, en fait, c'est travaux d'aiguille. Mais j'étais très, quand même, franchement, contente de la découvrir, parce qu'elle ne serait pas venue, je pense que je ne l'aurais jamais découverte et je n'aurais jamais trouvé ça. Et je les trouve d'une très belle qualité. Et j'ai fait une très belle découverte. Ensuite, nous sommes allés. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est le premier stand où nous sommes allés. Et je crois que c'était le premier, peut-être le dernier. Après, on avait fait le tour. Enfin, bon, bref. On a eu le temps d'aller plusieurs fois sur des stands. C'était cool. Sur. Comment ça s'appelait? Je l'ai marqué. La Grange à tissus. Je ne connaissais pas du tout. Donc il y avait plusieurs coupons, donc ils faisaient des prix, ça en prenait trois. Bon, truc marketing normal. Le premier que j'ai pris, avec la lumière derrière, ça va pas le faire. Donc un tissu, vous avez plutôt la bonne couleur, un peu plus foncé peut-être. Voilà. Un peu gaufré. J'ai pas de projet encore vraiment précis, mais j'ai plusieurs idées. Soit ça peut me servir de d'essuie-tout. Soit je peux m'en faire des serviettes pour manger entre midi et deux parce que j'ai mon petit set que je me suis préparé. Soit je peux faire aussi, ça je l'ai vu sur un stand qui était pas très loin d'ailleurs, c'était une personne qui faisait des étuis pour brosse à dents, pour savon, des choses comme ça. Et donc il y avait un côté comme ça, qui me semble assez absorbant. Et puis un autre côté éponge. Donc, à voir. Ensuite, autre tissu que j'ai pris. Alors, c'est plutôt du lin. Il y a quand même de quoi faire, hein. Ils sont tous comme ça. Je vous montrais juste le premier. Il y a de quoi faire. Qui a de quoi faire. Hop là. Donc celui-là, tout mignon, tout plein, avec des hiboux, des champignons, voilà. Un peu automnal, rigolo. Un qui est totalement hivernal avec des ours et des pingouins. Très joli aussi. La même dimension. Un autre, alors c'est le premier sur lequel j'ai craqué. Le Papa Noël. Et le dernier, aussi dans les tons automnaux, là carrément, ce sont des champignons. Quand j'ai acheté celui-là, ma première idée, c'était de faire des, comment dire, des emballages cadeaux. Parce que j'ai envie de me mettre aux emballages cadeaux en tissu. Je trouve ça vraiment mieux. C'est quand même plus joli. Je trouve que ça fait un joli cadeau dans le sens où ça veut dire que la personne quand même a pris le temps de faire ou d'acheter, on va dire, un emballage tissu. C'est quand même mieux que le papier qu'en fait on déchire au bout de 45 secondes et qui part à la poubelle, qu'on ne peut pas recycler. Là, on peut s'en resservir. Et je crois que j'avais pris le tuto de Miss Cactus Couture. Et donc j'ai bien envie de faire ça.
Et pour les autres, ça va être soit la même chose. Alors, c'est vrai que cadeau de Noël, pas cadeau de Noël, cadeau tout court, avec les champignons, ça fait peut-être pas très festif, ça fait peut-être pas très anniversaire, mais bon, ça peut le faire. Ou alors, j'ai pensé à faire des charlottes pour les saladiers. Voilà, des couvercles pour les saladiers, ça peut être très sympa aussi. Je peux faire des pochons, je peux faire tout plein de choses. Je ne suis pas à l'abri du besoin avec tous ces tissus. Voilà, tout va bien. Et deux petites choses, deux dernières choses que je vais vous montrer. C'est le bazar, j'aime bien le bazar. C'est moi qui vais ranger après, c'est sympa. J'ai trouvé deux livres. Stand de livres, il y en avait quand même pas mal. Il y en avait peut-être 4 ou 5, je trouve, de mémoire. Il y avait Marabout, édition de Saxe, il y avait Erol, il y avait plein. Il y avait même un, je pense que c'est Erol, où il y avait les dédicaces. Ça, c'était très sympathique. Bon, je ne me suis pas fait dédicacer de livres parce que quand on était le vendredi, les personnes qui y avaient, enfin les personnes qui dédicaçaient, c'était pas dans les livres que j'avais achetés, donc du coup. Mais c'était très sympathique de les voir, de les rencontrer, de dire bonjour rapidement. J'avais repéré ce livre, surtout sur Instagram, parce que je crois que c'est. J'ai oublié le pseudo. Excuse-moi si tu passes par là. Elle en avait parlé plusieurs fois en story. Elle avait commencé à faire des granits. Elle aime beaucoup ça. Elle en avait parlé. Du coup, ça faisait une semaine que je l'avais dans la tête. Voilà. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai hésité avec un autre. Parce que celui-là, c'est vraiment la Bible des granits. Alors que le deuxième livre, c'était des ouvrages faits à partir de granits. Mais il y en avait un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'il était plus joliment fait. Il était plus. Le livre était peut-être mieux. Mais celui-là, il était quand même. Je me dis, il est bien. Quasiment 300 pages. Et il y a énormément de choix. Je l'ai feuilleté, je trouvais ça très bien écrit. Enfin, quand j'ai lu en diagonale, je trouvais ça très bien. Il y avait plein de choix. Et puis en plus, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait donc deux personnes, deux amies qui étaient venues. Et il y en avait une qui essayait de convaincre la deuxième de d'acheter ce livre, parce qu'elle avait adoré. Et la dame hésitait comme moi entre celui-là et l'autre, avec des ouvrages finis déjà, enfin finis. Les patrons d'ouvrage ont fait un granit. Et puis, on s'est monté, on va dire, le bourrichon toutes les deux, entre guillemets. Je la connaissais ni Neve ni Adam, donc j'adore les rencontres comme ça. Et puis au final, toutes les deux, on est reparti avec celui-là. Et voilà, même une des amies avec qui je suis venue s'est laissée tenter. Le seul, on va dire, point négatif de ce livre, c'est que. C'est quand même un gros pavé, un gros pavé. Il fallait le porter, mais bon, c'est plus compliqué. Et en rigolant, j'avais dit, bah, si on nous embête dans le métro, au moins on pourra assommer quelqu'un avec. C'est pas le but, hein, mais finalement tout s'est bien passé. Voilà, donc là je pense que je vais faire pas mal de. Enfin, ça va être plutôt sympa. J'ai pas prévu de patron tout de suite, mais j'en ai repéré quelques-uns. Il y avait des jolis sacs que j'ai vus. Donc je peux peut-être faire mes propres. Mes propres sacs, mes propres couvertures, mes propres ouvrages. Et dernier livre et dernier achat que j'ai fait. Alors lui aussi, j'ai tourné viré, il m'a trotté toute la journée. Et à un moment donné, quand mon esprit me réclame à peu près 20 fois d'aller prendre le livre, à un moment donné, j'y vais. Hein, voilà. J'ai tourné autour du pot. C'est Le crochet afghan et tunisien, ce sont les bases. En fait, la première fois que je l'ai feuilleté, j'ai beaucoup hésité parce que parce qu'il y a en effet donc les bases du crochet tunisien et par contre il y a quelques patrons et dans les patrons il n'y a pas énormément qui me plaisaient au tout début. Donc j'ai vraiment hésité. Je me suis dit ouais c'est dommage, quasiment 18 euros, mais bon il y a quand même les bases, etc. Et puis je me suis dit, bon, bah tant pis, je le laisse, et puis j'irai chercher les bases sur YouTube, etc.
Et plusieurs fois dans la journée, je me suis dit, c'est quand même dommage. Moi, je suis pas très fan des tutos sur YouTube. Enfin, je suis pas fan dans le sens où moi, je trouve pas ça. Faut s'arrêter, il faut noter, ou faut le faire devant. Mais si on le fait en même temps que la vidéo, en fait, il faudrait retourner à chaque fois sur la vidéo, à chaque fois qu'on va le refaire. Parce que moi, c'est pas parce que je le fais une fois que je vais m'en souvenir. Et moi, je suis plus paperasse, je suis plus livre. J'aime bien ce que je considère des jolis livres et j'aime bien prendre le livre. Et voilà, j'ai mon truc. Si un soir je suis en train de faire un ouvrage et ah bah tiens, comment on fait ce point? Je peux aller récupérer tranquillement mon livre, etc. Je trouvais ça beaucoup plus. Beaucoup mieux. Et je le trouvais quand même très bien fait. Il y a des points de base et il y a des points de plus en plus compliqués. Donc point de tunisien classique, en vert, point de riz, point tunisien allongé, etc. Domino, enfin bon, il y en a plein. Et puis donc il y avait des patrons. D'ailleurs, en vous parlant, il y a un patron qui me. J'avais pas repéré comme ça. J'ai une autre vision en fait des. Voilà. Celui-là, je le vois, ben, il m'attire pas des masses. Vous voyez? Là, en fait, je me rends compte que le béret, je l'ai vu sans le voir. Parce que finalement, je le trouve plutôt sympa. Le point de vague. On a un sac, on a un boléro. Pourtant, ouais, par exemple, ce sont des couleurs que j'aime bien. Mais là, je sais pas, je ne me suis pas du tout vue avec ça, ni le fer, ni. Bon. Il y en a plein de sympas. Et je suis revenue plusieurs fois. Et puis c'est vrai que donc Paula qui est venue l'après-midi nous rejoindre, qui si vous ne connaissez pas encore, elle a le podcast et le compte Instagram Accrochez vos aiguilles, c'est parti. Et puis finalement, elle m'a convaincue, elle a hésité à le prendre aussi, parce que mine de rien, le crochet tunisien, eh ben, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Et puis quand on feuilletait, ouais, mais regarde, tu pourrais faire dans cette couleur, mais si tu le fais plus grand, machin. Ah ouais, et puis j'ai eu une autre vision du livre. J'ai dit c'est bon, je le prends. Vrai que par exemple, une écharpe comme ça, oui, c'est les couleurs, j'aime bien les couleurs, mais c'est pas mon style. Voilà, je savais pas trop quoi faire. Et puis finalement, il y a plein d'idées qui m'est venue. Là, ce joli châle, celui-là par contre, en fait, il n'y a que celui-là qui m'a tapé dans l'œil de suite et j'ai dit celui-là, j'ai envie de le faire. Mais finalement, après, je me suis dit, même s'il n'y en a qu'un qui me plaît, eh ben, j'ai quand même les points du crochet tunisien avec un patron pour moins de 18 euros. Mais au final, il y en a beaucoup plus qui me plaisent. Quand on regarde. Ah, celui-là est trop clair, vous ne le verrez peut-être pas. Quand on regarde d'une certaine façon, eh ben, on change d'avis, quoi. Et voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Alors, il y a quelques explications, je ne me suis pas mise dessus, mais forcément, entre guillemets, j'y comprends rien, puisque je ne fais pas du crochet tunisien tous les jours. Et c'est quelque chose qui me tente de plus en plus. Et en plus, dans le cal que j'organise actuellement, donc tout ce qui concerne les châles, les étoles, les écharpes, enfin, voilà, il y en a une qui a commencé un châle au crochet tunisien. Ça fait longtemps que ça me donne envie. Et de le voir. Ça me donne encore plus envie. Je vous avoue que là, ça me parle un petit peu en chinois, hein, là tout de suite maintenant, mais c'est comme tout ça, ça prend. Donc j'ai trouvé très bien fait, j'aime beaucoup. Donc ça y est, au bout de ouf, 50 minutes. C'est pas grave. Vous me regardez plusieurs fois si vous avez envie et si vous avez le courage d'avoir regardé jusqu'ici. Bon, juste un petit bilan, ça a été un chouette moment, ça a été 2 jours très, très sympa. Donc, juste pour finir un peu voilà, la virée, donc une fois qu'on avait fini et qu'on était bien crevés et qu'on avait des chevilles comme ça à force de marcher. On s'est rendu tranquillement jusqu'à la gare. On a un petit peu attendu, mais on préférait le faire en mode cool. Et puis de toute façon, je pense qu'on avait fait le tour de ce qu'on voulait faire. On avait vu des stands plusieurs fois. On avait fait le grand tour au stand par stand à la base.
Et puis, quand on avait envie de retrouver notre stand, ben, on faisait les allers-retours. Parce que des fois, on arrive à la fin du parcours. Ah, mais tiens, celui-là, au fait, il y avait ça. Je sais pas si vous êtes pareil, mais des fois, on n'ose pas acheter en se disant, bon, peut-être que sur le stand d'à côté, on va trouver moins cher, avec plus de choses, etc. On hésite toujours, mais finalement, ouais. J'ai l'impression qu'on s'est quand même laissé écouter, on s'est écouté à nos envies. C'était plutôt pas mal. Et voilà, donc on s'est ensuite calé tranquillement en attendant notre train. Là, on était beaucoup plus calme au retour, c'est bizarre. Ça faisait voilà, ça a fait 2 jours une grosse bulle. C'est quand même bien sympa. Même si quand on a attendu. Donc à la gare sur le chemin du retour, on a failli, enfin moi en tout cas j'ai failli me faire voler mon portefeuille, mais comme je suis assez prudente, ça va, je suis passée à côté. Mais le monsieur qui réclamait des sous et puis sans lui dire non, il avait très envie de piquer notre portefeuille. Heureusement que la police est intervenue, mais donc soyez très prudents, mais ça. Voilà, il y a des malins. Bref, ça c'est pas très grave, c'est le folklore de Paris, c'est pas ça qui m'a dérangé parce qu'au final il s'est rien passé. Donc tout va bien. Il n'y a pas eu. Voilà, bon, ça c'était le côté viré entre copines, donc qui s'est bien passé. C'était plutôt très sympa. C'est vrai que j'aimerais bien retourner une fois peut-être à Paris, mais un peu plus pour visiter. J'y suis allée qu'une fois où j'ai vraiment baladé dans les rues, où j'ai fait le jardin du Luxembourg. Ça serait des choses à refaire plus tard. Et puis pour faire un petit bilan, on va dire plutôt côté tricot et loisirs et puis en fait. Alors j'ai pas été déçue parce que je ne m'attendais à rien. J'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui ont fait le tour de l'aiguille en fait aussi. Donc vous pouvez trouver sur YouTube d'autres personnes qui sont allées, vous pouvez voir d'autres butins, d'autres avis que moi. Donc j'avais comment dire, aucun avis, aucun. Voilà, j'attendais rien de particulier sauf me faire plaisir et aller avec les copines. Donc j'ai pas été déçue. Par contre, je trouve que ça dépend, en fait, ça dépend ce que vous voulez faire. C'est peut-être bête comme réponse, hein, mais selon ce que vous faites, si vous êtes multi-loisirs, je trouve que c'est à faire. Parce que là vraiment, il y avait de la couture, du point de croix. Il y avait de la broderie donc japonaise, il y avait des ateliers donc pour faire les bougies, il y avait voilà un petit peu de tout. Par contre, je trouvais que si on y va vraiment pour quelque chose de très précis, par exemple, voilà, moi je fais essentiellement des amigurumis, maintenant je fais pas que ça, mais j'en fais quand même pas mal. Si j'étais allée que pour ça, ben j'y serais allée pour rien. Voilà, c'est très dommage. Je trouve que le côté crochet, en fait, il est inexistant. Ou alors, je suis vraiment passée à côté. Mais très concrètement, des stands qui vendent des crochets tunisiens, des pelotes, des kits, qui montrent des amigurumis, qui montrent, je sais pas moi, des châles au crochet, des pulls, des. Il n'y en avait aucun. On avait l'île Wiesel qui était pour moi, on va dire, la seule mercerie. Si je dis pas de bêtises, ma mémoire est bonne. Ou vraiment, si vous vouliez des aiguilles, peut-être que vous voulez du tricot, des marqueurs, des choses comme ça. Là, comme ça, de souvenir, il n'y avait que l'île Wiesel. Voilà, donc si on est multi en cours, enfin pas multi en cours, multi loisirs, pardon. Si on est multi loisirs, je trouve que ça vaut le coup. Parce que par exemple, Noémie Fabrics, je la connaissais pas du tout et j'aime beaucoup les kits. L'atelier des abécédaires, en fait, moi je l'achète uniquement quand je vais sur des stands. Il y en a où j'ai résisté un très beau stand, je sais plus comment elle s'appelle. Ça, j'ai pris en photo, je vous montrerai. Alors, elle faisait des peluches, mais pas du tout en crochet, ni en tricot. Je crois qu'il y avait la feutrine et puis il y avait des matières un peu spéciales où honnêtement, j'ai pas eu trop le temps de m'arrêter dessus. Donc, il y avait franchement des choses originales. Là, honnêtement, pour ça, je suis très contente. Il y a des stands que je ne connaissais pas du tout. Donc là, oui. Mais si vous aimez tricoter et crocheter, juste, voilà,
si vous oubliez la partie couture, la partie broderie, il n'y avait pas grand choix, je trouve. Les parties, les stands de laine, de fil, il n'y en avait pas 50. Bon, après, il y avait quand même, il y avait quand même du choix. Vous aviez By Nat, il y avait la Féchil, il y avait Lana Mouré, il y avait ADID. J'en oublie, mais voilà, je trouvais. Ça m'a choqué, ça m'a pas choqué en même temps. C'est vraiment, moi je voyais ça comme tous les travaux autour de l'aiguille. Donc je trouvais que c'était quand même pas mal. Par contre, si vous vouliez juste des pelotes, parce que les écheveaux, ce n'est pas au prix de tout le monde, si vous vouliez des simples pelotes, là c'était très limité. Vous n'aviez que fil d'art et Annie Blatt. Et encore Annie Blatt, je trouve que c'est. Voilà, Pingouin, c'est entre guillemets le premier prix. Je peux dire ça comme ça. Par rapport à ce qu'il y avait. Annie Blatt est au-dessus. Et encore au-dessus, vous aviez les écheveaux. Donc il n'y avait pas énormément de choix. Niveau coton. Ah si, niveau coton à crocheter, je vous dis une bêtise, il y avait le stand de DMC. Bon, le stand de DMC, honnêtement, on a été plusieurs à pas comprendre comment ils ont voulu se positionner. Parce qu'ils avaient quand même un grand stand qui était à moitié vide et un tout petit comptoir, tout petit présentoir avec les pelotes de coton. Mais si on n'avait pas la liste, enfin je sais pas, il m'a pas tenté plus que ça. Alors est-ce que c'est parce que j'avais acheté mon coton la veille? J'en sais rien. J'avais repéré, j'étais quasiment sûre de rien trouver sur le crochet à l'aiguille en fait. Donc bon, peut-être que je ne me suis pas plus laissé tenter que ça. Mais c'est quand même très dommage. On avait des stands où on pouvait acheter des livres. Par contre, allez, tiens, ce livre me plaît bien. Je vais essayer de trouver un stand pour m'acheter un crochet tunisien et du coton qui va avec. C'était cuit. Voilà. Donc, c'est peut-être un avis un peu dur. Je sais pas. Mais je trouvais que, voilà, si vraiment, moi je suis allée, j'ai aimé. Voilà. Et moi j'ai aimé parce qu'on a fait la virée entre copines. On est allé 2 jours. Et que c'était. Moi j'y allais vraiment pour voir un peu tout, de connaître des choses que je ne connaissais pas. Ce qui a été le cas. J'avais pas prévu d'acheter des chevaux. Ça rentrait dans mon truc, dans mon esprit, dans l'envie. Mais selon ce que vous voulez faire, honnêtement, ça valait peut-être pas le coup de faire 3 heures de route. Vous êtes à Paris, vous voulez passer une journée tranquille, entre guillemets, vous avez que ça à faire. Je trouve ça très très sympa. Après, pour ceux qui venaient de loin, si. Voilà. Ah oui, alors par contre, un gros bémol, c'est sur. Un gros point négatif, par contre, c'est que sur le site de l'aiguille, en fait, vous avez un icône avec les exposants. Les exposants, où en fait, ça faisait plusieurs semaines que c'était marqué. Il y en a un, je me suis dit, tiens, ceux-là, j'ai envie de les voir, etc. Il y avait notamment. Le stand Debonair. Qui était un stand de fil anglais, il y avait marqué Fonti et il y avait marqué, notamment entre autres, un gros stand italien, donc j'ai oublié le nom. Lui, il vendait des pelotes en général, enfin quand je suis allée il y a 3 ans, il vendait tout type de pelotes, plus ou moins cher. Vraiment, c'était l'endroit où vous pouvez vous faire plaisir. Vous allez trouver un peu de tout. Et surprise, quand on arrive sur place, on a le plan. Enfin, le plan, on l'avait. Le plan était à disposition, mais pas beaucoup avant, quelques jours avant. Et puis, quand on voit dans la liste des stands, on dit tiens, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de stands, il y en a qui étaient en double. Je dis bon, c'est bizarre. On a trouvé ça très très bizarre. Et on a dit bon, quand même, il va y avoir Fonti. Moi, j'attendais aussi, je voulais voir l'atelier de la création. En fait, dans ce que j'avais vu sur le site, il y avait 2 stands, il y en avait une partie couture et une partie pelote, où là eux aussi c'était un peu mercerie et puis ils vendaient pas mal de drops. Sauf que surprise sur place, il n'y avait que la partie couture et il n'y avait pas le reste. Et ça c'est pas top parce que du coup on a la liste des exposants quand on va dans l'icône, donc il y a info pratique, des choses comme ça. Les exposants, on en a plein, il y en a 2-3 j'avais repéré. Et puis quand 2 jours avant on sort le plan du salon, ils n'y sont plus. Ah, et visiblement on n'était pas les seuls parce qu'on en a parlé, puis notamment avec Paula, ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle m'a dit tiens, en fait, est-ce qu'il est bien le stand de Fonti, est-ce que tu sais où il est? Ben non, ils sont pas venus.
Donc ça, c'est très très dommage. Je ne sais pas si c'est la faute de Ligue en fait, de Fonti. Bon, il y a plein de choses. Debonair, ça m'a beaucoup étonné de les voir parce que j'ai dit en Angleterre en plus, mais je me suis dit là, j'aurais pu peut-être profiter de prendre des écheveaux parce qu'en Angleterre, on ne peut plus commander avec les frais de port. Enfin bref. Et voilà, c'était le gros point noir pour moi de ça. Mais voilà, mais j'ai quand même trouvé mon bonheur. Je honnêtement très très contente de cette virée. Ça a fait du bien de partir un petit peu, de se retrouver entre filles. Et j'ai quand même largement de quoi faire. Après, pour le moment, je pense pas aller au CSF. Donc le CSF, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas autour du travaux d'aiguille, c'est tout ce qui est manuel. Donc il y a encore plus de variété. Donc je pense qu'il y aura encore moins de fils. Mais bon, à voir d'ici là, en général c'est au mois de novembre. Pour le moment, je ne suis pas tentée par les autres festivals. On envisageait d'aller à Montpellier, il y a Tendance Créative, je crois qu'il arrive à la fin du mois. Mais en fait, beaucoup de stands sont similaires à ce qu'il y avait à Paris. Donc pour le moment, je ne suis pas très tentée. Et puis il y a d'autres festivals où je pense que si vous aimez beaucoup tricoter et crocheter, ça devrait vous plaire, comme les Estivales, je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Bon, il y a quand même pas mal de salons laineux qui arrivent cet été, mais pour le moment, je suis pas emballée. On verra tout ça tranquillement. Bon, tout ça pour vous dire, voilà, la grosse partie blabla. Ah oui, une dernière partie blabla qui n'a rien à voir avec l'AEF. J'avais prévu plusieurs vidéos, j'avais commencé à faire notamment le vlog sur le house à table repassée, mais j'ai eu un petit souci, c'est qu'en fait j'avais tout mis sur un disque dur externe. On m'a vendu les mérites de ce type d'objet. Je me suis dit chouette parce que mon ordinateur est en train de claquer, je risque de tout perdre, je vais tout mettre sur le disque dur, etc. Tout bien. Et au bout de 3 utilisations, il a cassé. Voilà, il ne marche plus, il ne le reconnaît plus. Donc tout ce que j'avais mis dessus, toutes mes vidéos, tous mes rushs, tout a disparu. Voilà, je suis ravie. Je suis ravie. Donc là, du coup, j'ai mis un peu de temps à revenir en vidéo. Je vous montre ça aujourd'hui. Puis les autres, bah, toutes celles que j'avais commencées, c'est soit je suis motivée et je les refais, ou alors bah, je vous en préparerai d'autres. Voilà. Et bien, sur cette grosse partie blabla, j'en ai la gorge qui gratte à force de... Avant de parler, j'espère que tout ça vous aura plu. En tout cas, bah oui, il y a plein de couleurs partout, il y a plein de trucs à faire. J'ai plein de choses à faire, je suis contente comme tout. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Le soleil a tourné un petit peu plus loin, donc ouais, à mon avis, on n'est pas loin des 4 heures. c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, je vais vous souhaiter de bons ouvrages, de bons tricots, de bonnes mailles, de bons crochets, tout ce que vous souhaitez. Et puis si vous appréciez cette vidéo, déjà merci. Merci, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, cliquer sur le pouce en l'air, vous abonner et laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et donc moi je vous dis à tout bientôt. Salut !